Voilà, re la VOD. Donc du coup, re YouTube. Alors attention, car là, on vient louper plein d'abos, MDR, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai. on vient de louper 5-6 abos, je crois. Et du coup, comment dire? Là, on passe en mode cup. Donc avant, c'était mode round. Donc c'était 4 ou 5 rounds par map, et 4 ou 3 maps. Et là, ça passe en mode cup. Donc là, il faut être le premier à arriver à 100 points. Et quand vous êtes à 100 points, vous passez en statut finaliste. Et donc, eh bien, il faut encore arriver à se qualifier. C'est-à-dire finir premier. Et là, vous passez, vous gagnez. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, vous êtes qualifié pour les quarts de finale qui seront streamés par Zera, évidemment. Donc voilà, je résume. Mode cup 100 points. Le premier à 100 points. Et après, quand vous avez 100 points, il faut finir premier. Une fois. Et vous voyez que ça se bat entre Bren et Hugo dans le chat. Moi aussi, je suis plus pour Hugo, mais j'aime Bren aussi, donc y a pas de souci. Link, je crois, a ouvert le truc, mais il doit pas entendre le live, puisqu'il m'a demandé le lien. Bren dit que Zedcom a été enlevé. Ça m'étonne. Je sais qu'il a demandé, mais ça m'étonne aussi qu'il ait enlevé cette map. Oh là, ça y est, ça commence. C'est parti. Qu'est-ce que j'allais dire? Les points, du coup, les points, ils en ont parlé tout à l'heure. Ah bah non, bah je sais pas. Alors les maps. ZRT Hold. Ouf, ça fait mal. Ils aiment pas la map. Vous le voyez ici, vous voyez les réactions. Après, on aura Zeraptor, puis Vivaldi, puis Linkin Toon Twister, puis Cap ou Pas Cut, puis Francisport. Alors perso, ça c'est mon point de vue, uniquement le mien. Je le donne parce que de toute façon c'est la warm-up. J'aime beaucoup Francisport et Zeraptor. Et Vivaldi. Linkin Toon Twister, c'est pas mon truc. Cap ou Pas Cut, moyen. Même pas trop. Et ZRT Hold, j'aime pas du tout. Mais on n'est pas là pour savoir ce que j'aime. On est là, eh bien, pour savoir tout simplement ce que les joueurs aiment et surtout ce qu'ils font. Donc c'est parti, là, vous voyez que les joueurs, eh bien, sont en train de train. Bren, bah le voilà, Bren. Bren, d'ailleurs, qui a quitté la team expert récemment. Il a expliqué ne plus vouloir trop être en team pour le moment, en tout cas. Il a dit je focus la ZRT, on verra après ce que je ferai, peut-être que j'arrêterai un peu Trackmania, on sait pas trop, on verra. Et voilà. Alors Bren qui n'est pas bien passé, mais Ozef c'est le warm-up. Hugo qui est en train de passer premier. Ouais. Derrière il y a Insanity à 2 secondes. Non Astronaut, pardon, si je me mets à dire les noms de team ça va pas le faire. Boss Wanted à 6 secondes avec le skin fait par Anto. Ouais, le petit skin jaune là. D'ailleurs Dark a aussi un skin jaune, aussi fait par Anto, mais c'est pas exactement le même comme vous le voyez. Heureusement, puisque c'est pas la même team. Lui, c'est un skin solo qu'il a, le petit Boss Hunted. Bon, je dis le petit, c'est affectueux, hein, vous inquiétez pas. C'est leur 6, oui, Hugo joue toujours, oui. Qu'allais-je dire? Qu'allais-je dire? Oui, alors là, vous pouvez suivre, parce que bon, moi, je suis pas un caster très expérimenté. Vous pouvez évidemment suivre, pour ceux qui ne connaissent pas, le ranking là. Ici, là, voilà, là. Là, vous avez le ranking en direct. Et du coup, vous pouvez regarder si la qualité est assez bonne, je suis pas sûr, mais maybe. Vous pouvez regarder en direct, voilà, là vous voyez Hugo, etc. Hop, je vais remettre la cam bien. Oh non, faut que je la remette à la main. Au secours, j'aurais pas dû la déplacer. Au secours! Allô? Attendez. Ça se lance, hein, mais vous voyez ce qui arrive. Ça va, c'est pas la mort. Ah bah vous voyez que Link, eh bien, il s'est loupé le pauvre. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? À l'aide! Bon, attendez, on va faire comme ça, à la main. Ça va être très vite setup, hein. Voilà, la cam est setup. Et du coup, nous disions, bah que c'est parti! Et donc Bren est premier pour l'instant. Il a un CP d'avance sur Dark. On va regarder ce que Dark fait. Il ne passe pas dans le même sens que Bren. Dark fait. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Je vais montrer très vite fait. On a des gens qui arrivent donc d'ici et qui font hop comme ça, qui prennent. Non. Ouais, si, qui font comme ça, qui vont là et qui rentrent. Et du coup, ils passent par le petit interstice là. On a des gens qui prennent le CP, qui font un tour, qui prennent le CP, qui font demi-tour, comme XAY, comme AAA, comme Link, etc. Et on a des gens qui passent là, qui prennent les deux CP et qui passent là.
Donc voilà, on va revenir naturellement sur Bren, hop. Donc Bren qui est devant à 4 secondes d'avance sur Dark. C'est beaucoup, 4 secondes quand même. Il arrive ici, alors attention ici parce qu'il y a un boost 200, enfin un boost random qui peut donc partir à 200. Donc c'est assez, assez chaud. Merci Trèfle Rumeur. Merci Trèfle Rumeur. Merci à toi de ton follow, super sympa. Ça me touche beaucoup, il y a beaucoup de follow en ce moment, c'est vraiment cool. Merci du soutien les gars, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ils en sont où? Salut Zad. Bah écoute, ils viennent de commencer les 8e de finale. Donc voilà. Là t'as rien loupé presque, t'as loupé 10 points. Et donc voilà, Bren qui termine premier, Dark deuxième, Astronaut troisième, Anti-EOC 4ème, XAY 5ème, Hugo 6ème, Link 7ème et Boss Wanted qui a Dell, tout simplement. Allez, ça repart, on va se mettre sur Bren vu que Shumi le supporte. On va changer un petit peu le point de vue, mais voilà, commençons sur Bren. On a Hugo qui est devant, attention le 3-6, bien effectué par Bren, très bien effectué, il a doublé Hugo en 3-6, le swag d'un homme. Et salut Anonymous, je crois que toi t'as pas partagé, ou alors c'est le nom de ton compte mais c'est bizarre. Mais anyway, on a vu Hugo qui est tombé sur les éplins, il est parti sur le côté. Mais voilà, Hugo, bon, bah ça arrive, hein, une run mauvaise, et puis voilà. Donc du coup on a toujours Bren qui se combat avec Dark et Link. Où sont Dark et Link? Non, Bren qui va repasser devant, voilà. Hugo a choke, totalement, totalement choke. Mais je pense que là il stresse parce que il s'attendait peut-être pas à arriver aussi loin dans la cup, hein. 8ème de finale c'est quand même très bien. Il est parmi les 32 meilleurs de la ZRT Cup 2017 quand même. Du coup voilà, du coup Bren qui est devant avec encore 2 secondes d'avance sur Dark, ça sera rien de spec Dark je pense parce qu'il est trop loin et du coup on ne verra pas Bren. Or, on veut voir le premier donc on regarde Bren même s'il a quand même fait un peu de la merde. C'est pas grave, donc voilà Bren qui arrive, qui va prendre cette arrivée tranquillou, je pense qu'il va prendre à droite, voilà, l'arrivée de droite. Hop, et c'est 10 points supplémentaires pour Bren qui améliore d'ailleurs, vous le voyez ici, improved the third local record. Et bien il a fait un 1-16, 734, il s'est amélioré de 0-291. Et bien il se retrouve donc log 3 comme je l'ai dit, il a amélioré son log 3, il était déjà 3ème. Et voilà, il y a Hugo d'ailleurs qui a le premier. Il y a des supporters de Bren là dans le chat, hein. Hugo là qui était dans le local, dans le world record, je sais plus ce que je dis, putain, faut que je me calme et que je me concentre sur mes mots. Ça va pas le faire. Bref, Link qui dit comment je choke. Boss Wanted qui dit t'inquiète, je pense qu'ils sont en train de tous se choke. MDR, vous faites des paris mais vous votez tous pour le même gars les gars. Qui ne saute pas n'est pas Bren, mais MDR. Je pense que vous êtes en vocal ensemble, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, Dark qui a fait un mauvais looping. Go, go, Hugo. Lazy Power. Bon, ça a pas l'air bien. Oh, Anti qui a respawn, tout comme Dark d'ailleurs, mais voilà. Link qui est assez loin. Hugo qui est devant, voilà, boum. Alors. Hein? Non, mais MDR. Faudrait que je fasse comme ça, en fait, sur cette zone, parce qu'ils prennent pas les mêmes trages. Hop, Hugo qui repart, on va spec sur Hugo. Bren qui va maybe rattraper Hugo. Je suis en fauteuil Salman. 50€ sur Bren. Ah, c'est noté! JC qui dit 50€ sur Bren, vous l'avez vu. Regardez juste en dessous, là, on le voit. Allez, Bren qui revient à 1 seconde, on va se mettre sur Bren parce que là, du coup, on va pouvoir voir Hugo. Ça va être très serré entre les deux joueurs. Bren qui, pour l'instant, est à 1 seconde. Ça va être serré avec Hugo, probablement sur la suite de la map. Allez, Bren qui passe pas mal, la cam fait toujours de la merde ici. Ça ne change pas. Attention, Hugo qui va a priori s'imposer. Ce sont les... je sais pas qui passe, faut que je regarde. Je regarderai après. Hugo... Oh, j'ai cru qu'il avait pas pris. Hugo, il a touché le poteau là, j'ai cru que c'était pas rentré. Je vais aller très vite voir combien passe. Non, c'est pas. Il y en a pas 16 qui passent, il y en a 8 sur le serveur. Ah ok, Anonymous on me dit que c'est Lauriane Bibiche. Bah salut à toi. Ah, ça change déjà de carte, d'accord. Top 4, voilà, c'est les 4 premiers du serveur. Les 4 premiers du serveur qui passent. Ah non, ça change pas de carte. Ok, j'ai pas compris pourquoi il y a eu un espèce de chargement chelou. Mais Osef. Donc voilà, top 4.
Les 4 premiers du serveur qui passeront eh bien, en 16, quart de finale streamé par Zera, le dieu lui-même. Un jour j'étais dans le même serveur que Vren, nous dit Salman. Un jour Bren a dit mon pseudo, meilleur, mais MDR. Bon, je dis ça, mais j'étais un peu pareil avec Kun, personnellement. Tiens, on va mettre la cam. Oh non, mais elle retient pas la cam. Putain, je vais mettre la cam comme ça. Moi, c'est sympa la cam comme ça, mais si ça retient pas, ça va être chiant à resetup à chaque fois. Donc, on ne le fera pas. Et donc, vous voyez, voilà, que Bren a une trajectoire plus optique parce que lui, il passe dans le petit trou, en fait. Le petit trou qui est ici, alors que les autres passent ici. Et du coup, bah, on se retrouve sur sa cam, à Bren. Ça y est, ça part en couille sur le chat. C'est pas grave. Ça me fait plaisir qu'il y ait du monde qui soit là et qui parle. Et donc du coup on a Dark qui est encore à 2 secondes 8. Donc on remarque qu'il y a pas mal de fois où Bren est à 2 secondes d'avance sur Dark ou d'autres. Donc ouais, il fait vraiment Silar 6, please. Donc je pense que ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me paraît une map pour Bren, puisqu'à chaque fois il a 2 secondes d'avance environ. Sauf la fois d'avant. Dark qui finit deuxième, pardon, j'ai des remontées, ça c'est encore le Coca-Cola. Bren, I follow you. Voilà, Dark le dit. Hein. D'ailleurs, vous voyez que Bren, il y a 3 étoiles en masse supporter de Bren. Hop, show me the way. Tu peux pas mettre les subs. Non, je peux pas mettre les subs. En fait, c'est Twitch qui choisit ça. Ce n'est pas moi. Et je stream pas assez souvent selon eux pour avoir les subs. Après, vous pouvez me faire des dons, mais franchement, moi, j'incite pas les gens aux dons. Certes, ça fait plaisir, évidemment. Mais, c'est... Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour le fun. Et pas du tout pour l'argent et tout. Par contre, ça fait plaisir d'être supporté. Quand je vois le nombre de followers, quand je vois, là, j'ai dû faire une dizaine de followers, presque. Ça fait très plaisir, par contre. Pas besoin d'avoir les subs. Les followers, moi, ça me suffit. Allez, du coup, on continue. Donc Hugo qui est devant pour l'instant, mais il va sûrement se faire doubler par Bren. Bren, voilà, qui passe par un petit interstice. Vous avez vu Hugo qui était en bas à droite, en train d'essayer de prendre le chemin central. MDR, Silar 6. Bren a quasi le même âge que moi. Mais putain, mais ça part en couille. Je range ma carte bleue. Ah là là. Un compte Facebook tout comme moi. Non mais les gars, mais MDR. Oh, c'est pas vrai, mais merci beaucoup Lauriane Bibi, je lui host. On n'a pas bien entendu, mais c'était Carglass. C'est pas vrai, mais si, merci beaucoup. C'était ça, attendez, je crois que je l'ai ça. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, ça c'est John Cena ça. Je coupe la musique. C'est pas vrai, mais si, merci beaucoup. Voilà, ça l'a refait, c'était ça. Mais si, merci beaucoup. Et après, on a Denis qui nous a lâché un. Et du coup, bah, on l'a tous repris. J'ai un tatou de Bren sur le pied. Ok. C'est nimp. Mais regardez le chat, ils sont tous en mode, oh là là, au secours, c'est nimp, rip. Donc, fin de la première map, a priori. Bren, premier avec 46 points. Dark, deuxième avec 22 points. Bah ça a enlevé les points parce que c'est le warm-up. Rip me, nous dit Dark. Regardez dans le chat, rip me. Je pense qu'il aime pas cette carte du coup. Ennemi, astronaute non plus. Là il y a un trick à faire au start. C'est ce que m'a expliqué Yakid récemment. Il y a une espèce de droite-gauche, il faut que la roue tape bien un poil avant le boost pour que la roue avant-droite reste sur le boost. Donc on va voir comment ils le font. Ah oui, gros sick. Six start de Bren. Bren avec un E dans son pseudo tout comme moi. Bren vient de France comme moi, MDR. Il joue au bill. Every map is ripped by the way. Oh, Bren qui fait pas de wallbang ici, il fait un beau drift. C'était beau en tout cas. Vous êtes en train de découvrir la carte avec lui, hein. Pas besoin de commenter, franchement, il y a que du beau jeu. On regarde et on se tait, quoi.
Oh, il a ralenti! D'accord, il ralentit, je pensais qu'il ralentissait en saut. Est-ce qu'il y en a un qui va tenter la risky way? L'arrivée. Oula, Hugo qui part en couille! L'arrivée. Regardez! Please, Bren, risk the cut! Et Bren qui say never! At the end. Merci Gonei! Merci Gonei! Super sympa! Je suis un humain comme Bray. Ah non, lui c'est un alien. Ce serait marrant qu'il regarde la rediff Bren après et qu'il voit ça. Un jour j'ai dit never comme Bren. Mais putain, j'en peux plus de vous. Vous êtes trop drôles les gars. Allez, Hugo qui sort premier de cette... Ah non, c'est Bren. Je le voyais pas, excusez-moi. Ah, c'est parce qu'ils sont l'un dans l'autre. On ne veut pas savoir ce qu'ils font MDR. Voilà, Hugo qui fait le wallbang, Bren qui tente le drift et qui a tapé le mur, on l'a vu sur le côté de la route. Et du coup il se fait doubler, on va spec Link qui est juste derrière Hugo, enfin juste derrière. Il est à une seconde à peu près, une seconde 5 précisément. J'ai deux blondes comme Bren, mais arrêtez. Allez, on va voir s'il y en a un qui fait la risky way. Oh, Hugo qui s'est fait doubler, j'ai pas vu, je regardais le chat. Est-ce que Link, non Link ne le fait pas. Oh Hugo, il a tenté. Il a tenté, Dark qui n'a pas tenté, Bren qui a peut-être tenté, j'ai pas vu. Astronaute, Hugo, Boss Wanted. Hugo qui tente une deuxième fois. Oh là là, il aurait dû safe. Hugo qui est probablement en train de choke. Hugo, tu es dedans hein, pour l'instant. Il faut être top 4. Je rappelle, en top 4, ils sont qualifiés en quart de finale. Donc, si on fige, pour l'instant, on a Bren, Dark, Hugo et Anti. Je sais pas si c'est Anti ou Anti-EOC. Anti-EOC. Mais voilà. Du coup, on va se mettre sur Bren, hein, qui n'est pas premier, étonnamment. Oh, Hugo qui s'est fait un full stop, il a décollé la roue, Hugo. Et du coup, Bren qui sort premier avec Dark. Salut à toi Gecko811, merci de ton follow mec, c'est super sympa de ta part. Merci beaucoup. Et du coup voilà, on a Dark qui est là. Le triple point d'interrogation Dark. Et lui il fait un wallbang aussi, on voit que Bren a pas mal pris son virage, il est devant pour l'instant. Hop, ça avance. Voilà, 6 dixièmes d'avance pour Bren sur Dark. Oula, Bren qui a failli partir en couille mais qui s'est bien rattrapé. Where is Bren? Bren is in the kitchen. Ah non, il est à l'avant, excusez-moi. Du coup, voilà, ça part sur un rebond. Ça passe parfaitement pour les deux. Anti aussi, Astronaute aussi, XAY, Link, Hugo qui... Oh, Hugo, il a dû tenter à tous les coups parce qu'il est encore... Hugo? Safe, non? Bren est plus intelligent, lui. J'arrive pas à safe. Salut à toi Xerost. Oh Xerost le poteau. MDR. Bren qui dit Hugo est safe, ça va pas dans la même phrase. Je voulais là. Hugo est risky. World record à la limite, oui. Oh là là là. C'est vrai que si on regarde les temps, bah on a Boss Wanted qui est 7ème. 7ème. Mondial apparemment. Révolution. Ah mais il est pas là. Bren qui est 9ème mondial et Hugo qui est 5ème mondial. Pour ceux de cette poule bien sûr. Enfin de ce match là. Allez l'appareil photo, clic. Donc Bren premier pour l'instant, il a fait un beau drift. Hugo qui n'a pas l'air loin derrière, c'est bien. Boss Anti qui est à 1 seconde 5. Ah, il y a un peu de distance quand même. Oh, il est au coude à coude avec Anti et Astronaute. On va regarder ça. Regardez ça, les trois joueurs au coude à coude. Je vais enlever les noms pour qu'on voit mieux. A priori, il est en train de les doubler. Ah non, il. Oh, aussi. Il a fait un meilleur drift que Boss Wanted, le Anti. On va spec Boss Wanted du coup. Il est où, Boss Wanted? Du coup, c'est très chaud entre les trois. Est-ce qu'il y en a un qui va risquer? Personne n'a risqué. Et Bren qui passe devant, premier toujours. Hugo, deuxième. Anti, troisième. Boss Wanted, quatrième. Astronaute, cinquième.
Xawai qui devrait finir 6ème. Ah non, Link peut-être. Non, Dark 6ème, Link 7ème et Xawai 8ème. Allez, Bren qui soutient Hugo. Hein. Vous le voyez ici. Good job, Hugo, go. Thanks. Anti-Kimé, 3ème à chaque fois. L'air de dire au secours, pourquoi je suis toujours 3ème? Oh, Hugo qui se fait dépasser par Dark. Et Bren qui a le double de Dark, il a le double du 2ème, OMG. Il a 70 points alors que le 2ème est à 35. Mais what the fuck? Incroyable. Incroyable, pendant que l'orage revient. J'espère que ça va pas péter. Parce que sinon, eh bien, ça veut dire qu'il y aura une coupure du live. Mais je ne pense pas pour l'instant. Du coup, on va se mettre devant avec Hugo et Bren qui sont encore en train de se battre. Combien de qualifiés? 4. 4 qualifiés sur cela. Bren y est nul de toute façon. Oh, mais MDR. Kappa. Ouais, je suis trop fort en calcul, mec. Merci, Silar, de ton... Oh! Bren qui a jarté! Bren qui a... What the fuck? Il a du respawn. Oh, il a Del! Ah non! Attendez, je peux pas le spec? Ah non, je pouvais pas le spec, c'était bugué en haut à droite. Oh, c'est bugué! Oh, c'est full bugué! Hugo, c'est bon, qui passe. Bren qui devrait faire deuxième. Ouais. Oh! Non, Bren qui fait quatrième! Bren, il a choke! Il a choke, il a pris trop court et du coup, pouf! Il a jarté. NT, thanks. Et l'autre, tu mets fuck me. Dark, fuck me, I failed the start. Allez, ça repart. Brain loser. N'importe quoi ce chat, ça parle que de Brain, hein, c'est fou. Ça lag. Bah désolé, il y a quelques petits drops. Allez, Hugo pour la qualif. Ouais, ce serait cool. Pure. Hugo pure la qualif. Bon, il y a des petits lags, mais normalement ça va à peu près, disons que c'est visionnable, même si c'est pas très beau. Donc, pas de très bonne qualité, je le reconnais, mais... De toute façon, dès qu'il pleut, la 4G, elle est morte, donc j'y peux rien. Et vu qu'il pleut, bah RT, les gars. Allez, Bren qui a pas mal pris, là encore. Il se fait rattraper par Hugo. Ouh là là, c'est chaud. C'est chaud entre les deux joueurs. Vous le voyez ici, Bren qui est juste derrière Hugo. Est-ce qu'il va encore choke? Non, il prend bien large cette fois. Il a pas osé prendre trop court. Allez, c'est très serré par contre entre Anti, Bren et Hugo. On va se mettre sur la vue d'Anti puisque... Oh, Hugo, il a touché! Hugo a touché, on va se mettre sur sa vue puisqu'il est 3ème. Du coup, on devrait avoir les deux devant. Allez, ça va se jouer à rien. Hugo qui tente! Oh oui! Voilà! Hugo qui double tout le monde, boum! Alors! Yes, Hugo! Bren, MDR, ok, t'es une machine. I can't follow that. C'est super aspect. Et commenter. Même si mon commentaire est pas ouf. C'est quand même cool. Tu casses souvent des tournois TM? Non, pas souvent. Là, je suis en mode spécial ZRT Cup. Mais pas souvent. Pas souvent parce que y a les cours. Et en plus, je vis encore chez ma mère. Vu que là, je suis en terme. Et ma mère n'aime pas que je sois sur l'ordi. Genre là, j'ai bataillé pour pouvoir faire un après-midi complet ZRT Cup. Mais bon, bref, anyway. Ça va quand même. Meilleur, essayer un contrôle F5 pour enlever ce décalage. Donc on passe sur Vivaldi. Alors Vivaldi, on a vu une trash différente de tout à l'heure de la part de Karl. Voilà, c'est la même que prend Bren. Et on a vu que Hugo arrivait quand même devant. Donc c'est très étonnant. Parce que Bren et Karl prennent une trash différente. Mais Hugo est quand même devant eux. Donc ça va donner du spectacle. Donc on est sur Vivaldi, hein, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Oh, Hugo qui a freiné. Ça s'appelle, eh bien, Vivaldi pour les 4 saisons de Vivaldi MDR. Parce que si on regarde la map du dessus, eh bien, il y a une saison Dirt, une saison Jump, une saison Herbe, pardon, là, et Dirt là. Et une saison un peu Tech, un peu tout. Et qui est là? Il y a un joueur là. Là, il y a quelqu'un, je l'ai vu. J'ai pas vu qui était là. Ah si, là il y a quelqu'un. Dark. Dark n'a pas la même trash que les autres. Vous voyez, les autres ils sont tous là. D'ailleurs, Astronaut est en train de train ici là. Mais Dark n'a pas la même trash que les autres. Oh, ça va être intéressant à voir là. Ça va être intéressant à voir. Et le bac dans tout ça. Exactement, en plus il y a le bac.
Aurel est premier avec 58 points sur l'autre groupe. Dak, nickel. On a combien de viewers là? Parce qu'il y a du monde d'actifs quand même sur le chat, c'est bien. 34 spectateurs! Putain, je crois qu'on va battre mon record. Mon record doit être à 30 justement. Go ramener masse monde, comme ça on bat mon record. Enfin, là, a priori on l'a déjà battu, mais voilà. Je suis en ES, terminal ES. Non, pas S, ES. Astronaute Boys! Un supporter d'astronaute que voilà. En filière brain, mais putain. Allez, Bren, 77 points. Du coup, il peut largement gagner, tout simplement. Puisqu'il lui faudrait une run pour arriver à 87 s'il gagne, puisque c'est 10 points. Une deuxième à 97, une troisième pour passer à 100 points et donc être en finaliste. Et la quatrième pour gagner, s'il fait donc premier partout, évidemment. Il peut se donner le droit de faire deuxième ou troisième sur une des trois premières runs pour atteindre les 100 points quoi. Là la cam est complètement buggée, on a les CP d'astronautes. Ouais bon. STI 2D. Ah, il y a des STI 2D, bah salut à vous les gars. Moi j'ai failli y aller en STI 2D mais finalement non, je suis resté en général. GL, HF. Allez c'est parti. Donc on voit Dark hein, là-bas devant. Ouais je montre avec mon doigt ouais. Qui est parti tout seul. Et on voit Bren ici, donc on va le spec pour que vous voyez la trace. Renault no skill. Vous voyez la trace, voilà, prise par Bren. Il essaye bien de ne pas drifter pour pouvoir accrocher au maximum l'herbe. L'herbe. Et donc le voilà avec Boss Wanted devant lui qui sont en train de se battre. Ils sont au coude à coude dans l'herbe. C'est nickel. Franchement, il y a du beau spectacle. Moi, je suis très content d'avoir spec ce groupe. Il y a du beau spectacle. En plus, il y a des supporters. C'est bien sympa. Oh, et ça a touché. Ça a touché du côté de Boss Wanted. Et je crois qu'il a carrément... Ah punaise, il a du retry. Enfin pas retry mais respawn. Dark qui est au premier au niveau des CP. Sauf que vu qu'il est sur l'autre truc, bah on ne sait pas. Et du coup bah voilà, on verra bien. Et Bren, on va voir comment il prend les jumps. Lui il s'en fout, il a pas besoin de prendre le boost. Ça passe trois fois, regardez. Hop, tranquillou bilou. Alors que je pense que derrière genre Hugo après... Ouais on regardera tout à l'heure mais normalement Hugo safe et prend les boosts. Et je me demande pour les autres, donc on regardera tout à l'heure. On retourne sur Bren pour que vous puissiez redécouvrir la map. Oh, il a touché! Il a touché le CP et du coup il se fait doubler par Dark. Non, c'est pas Dark, c'est Link. Il se fait doubler par Link. Voilà, Link qui lui a mis une seconde instantanément. Une seconde à vue, direct, boum. Ah, mais Bren qui revient. Voilà, parce qu'il a touché, Link, il a touché. Ça a fait comme s'il avait pris un slowdown. Pinou bientôt banquier. Bah peut-être, hein. Peut-être, on verra. Voilà, le drift ici pour pas toucher la chicane. Nickel de la part de Bren. Hop, il a failli faire un drift normal, mais normalement ici y a pas besoin. Le wall hit pour pouvoir bien coller à la route. On a vu une voiture à gauche par ici qui est bien faisant un peu n'importe quoi. Voilà. XAY qui a lâché le 45ème local record. Ah là là. Je throw de ouf. Ah là là. Et Dark qui finit premier. Dirt first et il a fini premier. Donc au final ça revient presque au même, hein, quel que soit par où il passe. On va regarder vite fait par où il passe, tiens. Ouais, il commence par Adort en premier. On va spec le passage d'Hugo. Pourtant, il est déjà un petit peu en retard, mais a priori, il devrait repasser devant Bren. On va voir ça. On a vu Bren hein, qui partait à gauche. Et ouais, Bren qui est... Ah non, ça va, il a un peu plus de vitesse, Bren. Donc du coup, où on est Dark? Parce que ça m'intéresse vraiment, ça. Et Astronaute... Ah, oh, Astronaute, il est loin, il a touché, il choke. Il choke. Et Dark qui enchaîne, d'accord, sur la partie, la deuxième partie. On respecte Boss Wanted. Donc c'est parti sur Boss Wanted. On va voir comment les trois là font le saut. Donc on a Bren, on a Hugo, on a Boss Wanted. On va voir comment ces trois là passent le jump. Donc pour moi, Hugo release, hein, mais après, peut-être qu'il a changé. Ouais, c'est ça, Hugo release, il veut toucher un peu le boost. Et Boss Wanted et Bren qui, eux, ne release pas. Donc c'est serré, on voit Dark qui part sur l'herbe là-bas à droite.
voulais faire une blague dégueu, genre Kogo. C'est pas drôle en fait, c'est nul comme blague, mais voilà. Et du coup, voilà, Bren qui est toujours en train de se battre avec Hugo justement. Boss Wanty toujours là aussi. Bon, il commence à se faire distancer un petit peu, mais c'est rien. Oula, par contre, ça va être chaud là pour Boss Wanty. Et il a dû freiner. Il a dû freiner. Il a pas la roue libre comme les deux autres, donc on va passer sur la vue d'Hugo puisqu'il est derrière Bren. On va pouvoir voir les deux en même temps sur le même écran. C'est incroyable, hein. Oula, ça a touché du côté d'Hugo. Bren qui est en train de s'envoler. On va voir Dark, où en est-il? Dark, il a pas fait le jump encore, ça devrait être Bren, je pense, qui va terminer, puisque lui, il a plus qu'à faire ça, alors que Dark a encore à faire le saut. D'ailleurs, on va voir comment Dark passe le saut. Il le safe. Et du coup, Bren qui s'impose encore une fois, alors que Dark devrait terminer, je pense, 5ème. Oui, c'est ça, XAY 4ème. On respecte XAY au prochain run. Grass first, face planted. 36 viewers, putain nice, 36 viewers, merci beaucoup les gars, franchement ça fait très très plaisir. Je suis vraiment très content. Non meilleur, certainement pas, non. J'ai pas besoin déjà, il y a déjà des modos là. Et puis pas pour l'instant. J'ai Elric et Arcline en modo, donc ça me suffit. Allez, on va voir XAY comment il part. Puisqu'on l'a pas vu, on l'a pas vu pour l'instant. Oula, oula, bah il part pas bien. Il part pas bien du tout, le pauvre. Insanity encore moins bien et Boss Wanted un peu mieux. Un petit peu mieux. On va rester sur la vue de Link. Tiens, Link, ça fait longtemps. Allez, ça passe dans l'herbe. Mais hier, t'es pas assez sérieux. T'es trop un troller. Puis de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir un modo en plus. Il y en a déjà deux là qui sont présents et je suis modo aussi. Et le chat va pas trop vite, je peux largement lire, donc y a pas de soucis. Allez, ça prend sur le jump. On va voir comment Link le fait. Link safe aussi. Oula, ça... ouf. J'ai cru qu'il avait pas passé, c'était limite. Boss Wanted qui a du retry. Boss Wanted qui a retry. Nose. Avec Anti, ouais, Boss Anti des Anti qui sont out hein, pour cette run. On va se remettre sur la vue de Link. Ouais, non, on va se mettre sur la vue d'Hugo puisqu'il est encore une fois au coude à coude avec Bren. Et Bren qui devrait s'imposer et donc passer finaliste. On va passer cette chanson parce qu'on l'a déjà entendu beaucoup. Même si celle-là est plus longue, bah c'est pas grave. Plus lente plutôt, pas longue. Hop, alors attention Hugo qui essaye de revenir sur Bren. Il veut l'empêcher de s'imposer et de marquer encore 10 points supplémentaires. Et évidemment il veut engranger les 10 points au passage, mais ça devrait être bon pour Bren. Voilà, qui eh bien, va encore se mettre deuxième. Non, Bren premier, pardon. Et qui va donc prendre 10 points. Bren qui passe en finaliste, incroyable. Bren en finaliste. GL. Hugo deuxième à 57 points. Hein. Et Dark à 49. Sans compter les points supplémentaires. Mais voilà. T'inquiète, Lauriane. Pour l'instant, c'est pas dérangeant. Font les cons, mais c'est drôle. Comment tout doux, tout doux, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, oui, j'allais dire que bah, du coup, voilà, Bren est en finaliste, donc là il faut qu'il finisse une fois premier. Et s'il finit donc une fois premier, et bah il sera tout simplement qualifié pour ses quarts de finale. Quart de finale donc qui auront lieu à partir de 19h avec le sieur Zerator. Sur son stream, évidemment. Oh, Boss Wanted, je crois que c'est Boss Wanted qui a pris il a pris l'angle. Ouais, Boss Wanted qui a pris l'angle. RT. RT si c'est triste. On va se mettre sur la vue de Bren. Non, on a dit XAY. Bon, il est un peu loin, mais c'est pas grave. On va voir comment... ils vont passer ça. Ouais, lui aussi, safe. Oh, XAY qui est pas passé. On va se mettre sur la vue de Anti.
Oh, y a... C'est moi ou il y en a un qui a dû... Oh, Hugo, il a pas assez de vitesse. Hugo a pas assez de vitesse, il sait qu'il n'a pas assez de vitesse, donc il doit retry. C'est mort pour Hugo sur ce run. Brain qui est en train de s'envoler tout seul. Je pense être le meilleur ami de Brain. Oh, qu'est-ce que... C'est bugué. Bugué, full bugué. Ah. Et donc voilà, Brain qui va aller s'imposer, on va mettre sa cam, puisque de toute façon là il a plus qu'un wallbang à faire et un petit virage. Voilà, et Brain qui se qualifie pour les quarts de finale. Bravo à lui, on peut dire, bah Brain, Brain dans le chat, hein. Voilà, on peut dire, voilà, GG Brain, MDR. GG à Brain. Link qui nous lâche un PTDR. PT de rire. Bon, bah du coup là ça part bien pour Hugo qui devrait a priori se qualifier pour le quart de finale aussi. Même si c'est pas certain. Voilà, ça lâche des Brain, ça lâche des Hugo Hugo. Allez, Hugo qui a touché le... Ah non, 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 Hugo je suis sur lui. Oh il a touché, si, si, là aussi. Allez, c'est pas grave. Donc Brain prend la première place, hein. Brain, la première place. Hugo qui est en retrait, on va passer sur du coup sur la vue de Boss Wanted. Puisque c'est le premier qui est de ce groupe là. On suit le groupe où il y a du monde, hein. Malheureusement pour Dark, je suis désolé pour lui. Mais là, du coup, bah voilà. Je vais pas le spec vu qu'il est tout seul. C'est moins drôle que de spec un groupe. Là voilà, sur XAY, il y a aussi Boss Wanted. Donc voilà. Pas encore de qualifier dans l'autre groupe, d'accord. Mais y a que deux groupes streamés? Ça m'étonne. Allez, c'est toujours aussi chaud là. On voit qu'XAY a fait des petites erreurs parce que tout le monde est en train de revenir. Et c'est plus chaud, hein. Dès qu'il y a plus Brain, là, ça y est, c'est plus chaud qu'avant. Parce que vous le voyez ici, Link est dans le même groupe que Boss Wanted, Hugo et XAY, ils sont tous les quatre coude à coude. Donc, oh, XAY qui a touché. XAY qui a touché, Astronaute qui passe devant. Mais ils sont quand même un peu loin, donc on va se mettre sur Boss Wanted qui est pour l'instant le dernier des trois. Mais rien n'est joué, puisqu'il y a cette partie roue libre. Ah, il a moins pris la roue libre que les deux autres Boss Wanted, il a dû release un tout petit peu. Aurel, Révolution, Ayako et Jiren, like. Oh, ils ont tous les deux pris la chicane. Boss Wanted qui passe donc devant, parce qu'ils ont tous les deux tapé la chicane. Tapé AUNT évidemment. Oh la vache. Et bah du coup voilà, Boss Wanted qui passe devant. Et je pense que bah voilà, il est bien content de lui, on va voir vite entre Hugo et... Oh Hugo, il s'est fait doubler par Insanity carrément. Wouah. Et bah dis donc. What the fuck. Oh là c'était c'était intéressant, le feu. Played smart I think. Allez. C'est bientôt la fin. On a Hugo qui est donc à 68 points. Ça change de map. Ouais, AUNT. Donc là on passe sur Link into Twister. Et du coup, est-ce qu'on specrait pas Link dans le Twister? LOL. Grosse blague. Allez, je vous laisse, je me casse parce que la blague était nulle. Au revoir. Ouais non, en fait on va finir le cast, hein. On va finir le cast. Donc c'est le warm-up. C'est le warm-up sur cette map. Hop, le petit drift ici. Ah c'est dommage, on voit pas les drifts des joueurs. On voit pas les traces de drift. Et Link qui l'a mal pris d'ailleurs. On
passer sur... J'allais dire sur la vue de Bren, mais non, MDR, sur la vue de Dark, du coup. Oh, on en a vu un qui a volé là-bas, en haut à droite. Dark qui est mal passé, on va passer sur la vue d'Hugo. Ne te lance jamais dans l'humour, Pinou. Ouais, je sais, je sais. Oh bah Hugo qui sait pas faire la fin. Bah alors là, s'il sait pas faire la fin, enfin, je crois. Mais en tout cas, là, il l'a mal faite. Et s'il sait pas la faire, et bah il est rip. On va voir s'il est safe ou pas. Non, je vais pas lui poser la question. J'ai failli le faire, mais... Non, je vais pas le faire, ça se fait app. Tu deviendras pas Coluche. Ouais, je me doute ça. T'inquiète pas. Pour l'instant, je suis encore vivant déjà. Oh, c'était méchant comme blague, mais... Mais voilà. C'est fait. Ce qui est fait, hein, malheureusement. Allez, du coup, c'est reparti sur cette map. Donc, Link into Twister. Donc là, c'est une roue libre pour l'instant. Là, on a de nouveau de la vitesse. Et on doit eh bien partir sur un jump sur la droite. En faisant un petit dérapage ou en réalisant. Mais le dérapage est évidemment mieux. Et Hugo qui passe pas. Hugo qui ne passe pas. On va passer sur la vue de Boss Wanted. Non, Dark. Parce que Dark est deuxième. Astronaute. Parce qu'ils sont coude à coude. Et du coup, là, on saute. On doit se dévier tout de suite à droite. Pour pouvoir eh bien rattraper et passer entre les deux blocs. Hop, ici ça passe pas trop mal pour les joueurs. Une astronaute qui a l'air de se faire un peu distancer quand même. Oh, le drift était pas bon là, astronaute. Ouh là là, c'était pas bon. On va aller voir vite Dark avec Boss Wanted. Est-ce que les deux coupes? Non, Dark prend plus large. Dark prend plus large pour pouvoir safe l'arrivée. Alors que Boss Wanted a risque, mais il l'a passé. On va voir ce que Hugo fait. Oh, je crois qu'il a, tenté, mais il a dû pas réussir. Hugo safe. Je pense qu'il va pas encore safe. Il va encore pas safe plutôt. Mais on va voir ça. Merde, bon, c'est pas grave. Oula. Ça tombe chez moi. D'ailleurs, ma maman derrière. Allez, du coup ça repart. On va se mettre sur la vue de Xawai. Puisqu'on l'a pas trop. On l'a pas trop au spec. Donc voilà, on rééquilibre un peu, après on specera un petit coup d'arc, un petit coup anti-EOC. Ah, Xawai qui prend bien le jump. On peut prendre encore mieux, mais. Oh, il y en a un qui a pris un poteau. J'ai pas vu qui c'est, je crois que c'est Astronaute. Je crois. Est-ce que ça va se confirmer? Non, c'est Hugo. Hugo qui a pris le potal. Oula, c'était chaud pour Xawai, il se fait doubler par Astronaute, vous le voyez. Attention par contre, voilà, parce que Astronaute fait mal le drift. Et là du coup ça s'annonce très très serré. Attention, oh, il y en a un qui a pris, il y en a un qui a clippé. Et du coup Link qui passe avec Dark droit devant. Et Hugo qui safe, et c'est bien, c'est ce qu'il faudra qu'il fasse ça. Allez, je lag trop, au revoir les amis. Ouais, mais je pense que c'est le lag. C'est le stream, pardon, mais j'espère pas. A plus, meilleur. Merci d'être passé, mec. Et pour l'instant, on est à Hugo, 69 points. 77 maintenant. Ah non, 70 pour Hugo et Dark, 77. Hugo qui se fait doubler à Yoante. Et donc ça redémarre, je vais augmenter un peu la qualité du stream, ça devrait rien changer, mais bon, on verra. Hop là, allez, c'est reparti du coup. C'est reparti. Les deux skins jaunes devant, puisqu'il s'agit de Boss Wanted et de Dark. Voilà, Dark qui fait très bien le jump. 46 personnes qui te regardent. Oh putain, mais merci les gars, franchement, c'est vraiment, mais ça fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Allez, on continue du coup pour le commentary, on va pas s'arrêter pour des choses qui font chaud au cœur, même si il faut le dire. Et du coup voilà, on est toujours sur Boss Wanted qui est devant, je pense que c'est sa map, hein. On a l'impression qu'il est là quoi, il est présent. On va voir Dark qui safe la fin, vous le voyez, il va deux boules plus loin, deux blocs plus loin.
Non, ça change rien, meilleur, parce que OBS gère la connexion. C'est-à-dire que si la connexion ne suit pas, OBS réduit automatiquement. Mais du coup, si la connexion suit, eh ben OBS va remonter la qualité encore. Donc je peux monter la qualité, hein, c'est pas gênant. Et merci, merci Souvi du follow. Merci beaucoup, c'est super sympa de ta part. Du coup, bah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais on va regarder les locaux parce que je pense qu'il doit pas être bien loin, le petit Bosontide. Il est là, il est 13ème, voilà. Bosontide 13ème, vous le voyez ici. Il y a Hugo juste devant lui, mais Hugo a l'air d'être moins régu. Bren, il est plus là. Donc, ok, bah voilà. Voilà. De rien, meilleur. Même si je sais que tu trolles quand tu dis ça. Et du coup, bah voilà, Bosontide toujours premier, hein, toujours au combat avec Dark. Ça a l'air d'être un peu le classement de cette map, quoi. Bosontide premier, Dark deuxième. Hop. Allez, Bosontide qui va certainement risque la fin encore une fois. On va passer sur sa vue. Ouais, lui, parce que entre les blocs, et il risque et ça passe. Et Dark qui finit donc deuxième. Link qui a du respawn. Astronaute quatrième. Anti sixième. Et Hugo qui devrait donc être devant Link. Ouais. Allez, Hugo, faut qu'il prenne le temps. Là, il l'a. Oh non! Mais oui! Il est allé rechercher les. Oh punaise! Et il a pas réussi. Aïe. Là, Hugo, il est en train de dégringoler. Il va peut-être pas arriver à aller en quart. Ça va être difficile. Pourvu que ça change vite de map. Les drops, c'est moi ou le stream? Eh bah, écoute. Je crois que c'est le stream, hein. Ouais, il y a un peu de drop sur le stream. Ouais. Ouais, je le vois, ça dépend des moments, il y a des drops sur le stream globalement. Ouais. Mais on a la VD, VOD. Artanir, il joue toujours. Putain, Artanir, sick. C'est con qu'il ait enlevé le tag lazy, je sais pas pourquoi il l'a fait. Je lui dirais, tiens, que c'est assez bizarre. Mais bon, bref, anyway, on a toujours Hugo qui est là. Notre cher Hugo. Et Hugo qui est premier, eh bien, ce CP. Ça part sur la droite, on va se mettre sur la vue de Dark. Et non, de Bosontide, parce qu'il devrait. Ah non, Bosontide a dû fail puisqu'il est cinquième. Oh là, j'ai l'impression que ça a Del. Non, ça a pas Del. Mais c'est très loin quoi. Hop là. Allez, Dark, attention, est-ce qu'il safe? Non, il safe. Ah si, il safe. Ah, oh, Hugo, il a vu qu'il avait pas cette vitesse, il est parti à gauche pour prendre de la vitesse. Et Hugo qui va pas réussir à finir. Aïe, il est obligé de revenir en arrière pour reprendre de la vitesse. Il sait pas safe, Hugo, sur cette map. Il ne sait pas safe. J'espère que vous l'avez vu comme moi, malgré les lags. Putain, oui, ça lag beaucoup là. Je vais aller checker mon portable vite fait, je reviens. Bon, le portable en PLS, hein, ça part sur de la surchauffe. Je sais pas combien il est, mais il chauffe vraiment beaucoup là, le portable. Mais c'est pas grave. Alors, on va passer sur cap ou pas cut. J'espère que ça va quand même aller au niveau de la 4G. Ça a l'air d'aller. Je vais regarder si les antennes sont bien mises. Oui, elles le sont. Par contre, j'ai trop chaud. C'est vraiment horrible. Allez, c'est parti pour Hugo. Ah, on voit qu'il y a différentes stratégies qui sont adaptées. Adoptées, pardon. Hugo tape le mur au fond là, alors que d'autres joueurs préfèrent juste ralentir. Et on voit que Bosson. Oh! Il y a des joueurs qui font un Grasslight comme Bosson, j'allais le dire. Sauf qu'il a, eh bien, tout simplement. Je sais pas. Tout simplement rien en fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Son Grasslight est parti comme ça et il a tapé la barrière. Très bizarre. Sa mère, il met. Lâche un sa mère. Oh là, Hugo qui a pris un peu vite, mais c'est pas grave. On a Vulnera, je crois, qui a rejoint. Ouais, bah si Vulnera veut venir en spec, en vocal, Vulné vocal pour commente. Tu veux que je te prête un ventilo? Ah, ce serait sympa de ta part, MDR. Hop. Donc je suis vocal si Vulné veut venir.
On va voir s'il arrive. I wanna go to the car, please. Allez, Dark qui est pour l'instant deuxième avec 96 points, Hugo troisième à 79 et Bossantide quatrième à 66. Donc pour l'instant, dans l'état actuel, ce serait eux les qualifiés, mais rien n'est fait encore. Et Vulnera, le voilà. Salut. Le voilà, le petit Vulné. Alors du coup, on va pouvoir commenter ensemble, ça va être bien. Je vais monter un peu ton volume. Vas-y, parle. Ça va, ça va. Ouais, bah ouais, forcément que ça va. Putain, voilà, j'ai monté ton volume, incroyable, la vie est folle. T'es sorti quand, toi? Moi je suis sorti au deuxième tour, j'ai full choke. Ah. Et c'était pas les maps que j'aimais de base, en plus je suis no train. J'ai train 5 heures environ pour les 14 maps. Donc ça fait même pas de la demi-heure par map, donc laisse tomber quoi. T'as deux fois moins de train que moi. Mais ça va alors si t'as passé le deuxième tour, enfin je veux dire. Ouais, et je suis passé easy, j'étais 8ème sur le premier serveur. Ah voilà. Mais du coup voilà, on va spec, là on est sur Boss Wanted, donc Boss Wanted qui fait cette fin comme moi je n'arrivais pas à la faire, hein. Vous m'avez vu tout à l'heure, je galérais comme un porc, c'était fou. Oh, Astronaute qui tape le 42ème local. Oui. Astronaute qui tape le 42ème local pendant qu'il y a l'orage qui s'abat de nouveau chez moi, putain ça ne s'arrêtera donc jamais. J'espère... l'orage chez toi. Ouais, j'espère que ça passe pas dans le micro en vrai, mais ouais, il y a de l'orage. Ah, j'entends rien. Allez, Dark qui passe finaliste. Donc Dark, s'il finit premier, on va le spec du coup pour ça. S'il finit premier, eh bien, il va tout simplement se qualifier pour les quarts de finale. Donc on voit qu'il y a différents départs adoptés, mais globalement, ils tournent tous les roues afin de descendre sans faire le looping arrière. Alors, je sais pas qui c'est qui a fail. Alors, je sais pas, mais moi, je spec Dark. Et Dark, il save beaucoup, on dirait. Oh, c'est qui? C'est Insanity? Non, c'est Astronaute. À chaque fois je dis Insanity. Cet astronaute qui est allé chercher la bordure là-bas. Oh, et on a vu. On a vu je sais pas qui est tombé là, mais c'était violent. Anti-Hawk qui est tombé. Ouais, ouais, ouais. Pendant ce temps, la bosse petit tranquille devant. Dark qui fait pas mal le truc et qui reprend un peu de vitesse sur Link. Quand je dis le truc, c'est le petit zigzag en haut de la montagne afin de rester au maximum collé à la route. Est-ce que Boss va deny Dark? C'est la question. Tu es où sur Discord? Je suis sur un Discord privé. C'est le Discord de la Team Lazy. Et Vulné est en tant que special guest. Oula, attention, ça va être serré pour Dark. Ouh, il a lâché un local 15 quand même. Mais j'ai cru qu'il allait pas le faire. Fuck you, moron. Et il y a Lauriane Bibiche qui te dit salut. Salut Lauriane. Vous devez pas l'entendre très fort le petit, je vais lui monter son son. Le petit Vulné. Hop. Voilà. Rip Dark. Bon, il peut largement le faire encore. Salut Dorian Red, merci du follow mec. C'est sympa de ta part. Ça fait plaise. Oh, y'en a un qui fait le looping, je vois. Oulala, c'est mal la parti Dark. Pour Dark. Et XRY. Dark et Xavoy qui sont mal passés. Hugo qui est à 84, il se fait remonter par Boss son titre, ça va être très chaud pour Hugo. Il a pas l'air de comeback non de Boss. J'ai pas regardé, là je suis sur sa vue. Après la première map il était dernier d'après Xavoy que j'ai entendu juste avant. Ah c'est possible, j'ai pas souvenir de ça, mais c'est possible. On respecte Hugo. Hugo qui est devant. Ah, il colle pas assez la route. Ouf, ça a failli prendre le mur du côté d'Hugo, mais ça n'a pas pris. Il est donc premier, ce serait bien qu'il fasse 2-3 fois premier là, histoire qu'il reprenne un peu d'avance sur Boss Wanted. Ou que Boss Wanted termine loin, mais ça je ne lui souhaite pas. Vaut mieux que. Hein? Voilà. Ouais, hein? Oh. Vaut mieux souhaiter que Hugo termine devant plutôt que Boss Wanted derrière, même si c'est indirectement lié. Et voilà, Hugo qui va les mettre. Oh! Il s'est fait doubler par Link, c'était violent là. Hugo qui allait mettre les 10 points j'allais dire, mais il s'est fait doubler par Link. OMG Link. Incroyable. Et Bren Impérial hein, quand même. Je sais pas si t'as vu ça, mais Bren Impérial. Hein. Au bout de deux maps il était qualifié le gars, 3 je crois, 2 ou 3. En gros sur Vivaldi j'étais pas il a là terminé. Depuis le début, mais... Bah sur Vivaldi il a terminé. D'accord. Tout simplement. Ça va. Sympa. Allez Hugo qui est à 90 points, donc s'il finit premier il passera finaliste. Ce serait vraiment sympa. Mais c'est pas encore fait malheureusement.
il risque de passer finaliste en même temps que Boston Tite. Parce que là, Boston Tite, même s'il marque 10 points, il sera à 99. Et du coup, il faut qu'il finisse encore une fois. Tout comme Hugo, qui supposons-le, marquera au moins 5 points. Et donc, si les deux marquent encore 5 points derrière, ils passent tous les deux finalistes. Et c'est chaud. C'est chaud pour savoir qui des deux passera en quart de finale. Si ça se trouve, les deux ils passeront. Mais voilà. Ça sera pas pour Dark en tout cas. Oh, Hugo qui a pris d'ailleurs le mur. Et Dark. Dark, pourquoi Dark? Boss ah, qui oui. S'est retourné. Dark est trop loin. Oh, il y en a un qui a pris le mur aussi. C'est Astronaute. Astronaute, non? Ah ouais. Mais il y a aussi Hugo qui a tapé là. Qui ouais, va et pas Dark pouvoir. Qui ne passe pas. Dark il a full risque. De toute façon, il avait pas le choix. Ouais. Allez, Link qui va encore aller marquer des points. Est-ce qu'il remonterait pas là, Link? Il est où? Ah, il est loin encore, à 55 points. Bah, c'est 5, ouais. XD. Bon, où en est Hugo là? Mets des points, Hugo, mets des points. Ouah, c'est chaud. Il galère dans les boosts, on dirait moi tout à l'heure. Oh, c'est bon, il va pouvoir aller jusqu'à la fin. Mais boss en titre du coup, qui est passé devant Hugo. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Hugo, il faut qu'il fasse premier. Sinon il est pas qualifié. Et Boisson Tite faut qu'il fasse premier sinon il est pas qualifié aussi. Aïe 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 aïe. Allez, ils sont tous les deux à égalité les deux joueurs. Il leur manque 9 points et ils ne devraient pas les avoir sauf s'ils finissent premier. On a vu que Insanity faisait des zigzags. En fait il tente des speed drift en arrière. Et Boisson Tite qui part loin devant. On voit le spec. Dark aussi qui est bien. Boisson Tite qui tente le grâce et ça passe pas mal pour le joueur français. Alors tu dis Dark est pas mal, ouais il est dans le tas quoi, dans le peloton. Ouais. Ah Boisson Tite qui se fait un petit peu remonter par Hugo. Le voilà le Hugo, ouais il remonte un peu Boisson Tite, c'est bien mon Hugo. Allez du coup on va se mettre sur la vue de boss. Puisqu'il est juste derrière Hugo, ça permet de comparer les deux. Ah Hugo qui a moins bien pris la trage pardon. Il a pas mal prise mais moins bien quand même. Oula attention pour Boisson Tite. Dark qui revient, en effet, Dark qui revient, ça, c'est au coude à coude avec Boisson Tite. On va se mettre sur la vue de Dark puisqu'il voit les deux autres devant. Allez, ils passent tous les trois FS, évidemment, ils coupent le passage. Hein. Et attention, là ça va se jouer très serré entre Hugo et Boss. On va se mettre sur la vue de Boss. Oh, Boss qui a mal pris. On va se mettre sur la vue de Dark. A priori, Dark qui passe, oui. Et Hugo qui marque 10 points, qui passe finaliste. Boisson Tite qui est à 95. Et Dark qui est. Toujours finaliste. Toujours finaliste. Come on, go go. HF. Ah, THF. C'est vrai que c'est compliqué quoi. Faut déjà arriver à 100 points et en plus faut finir premier après. Ah ouais, grave, non mais c'est vraiment difficile. C'est clair. Ouais. Deux finalistes maintenant. Tout à fait. Ah, ça va être serré. Ça va être très très serré. Et ça part sur Francis Sport. Et ici, Hugo a un local 2. Est-ce qu'il le régule après? C'est la question. Mais il a un local 2 en tout cas. On va aller voir les autres locaux. Tu l'as joué cette map toi du coup, non? Ouais, je l'ai joué. J'aime bien cette map en plus. Un peu compliqué à régul le cut, si on fait le cut à chaque fois. Ah, moi ça va, j'arrive à peu près. Pas 100%, mais j'arrive à peu près. Boisson Tide aussi qui a local 14 du coup. Attendez, je crois. Oui, c'est... Non, 15. Boisson Tide local 15. Link local 8 et Hugo local 2. Ici on a l'autocam qui se met en cam 3. On a vu que Anti-Hawk a pris le truc. Allez, tous les 3 ils passent tous les 3 le cut sans souci. Tous les 4 même, Dark aussi, avec un peu plus de mal. Vous l'avez vu aussi, comme moi. Et donc il y a 2 tours sur cette carte pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que vous le savez. On laisse Dark nous la montrer. Je vais remonter un peu la musique, je sais pas pourquoi, elle est basse d'un coup là. Ouais, ça s'annonce être un bon fight, hein. Ils ont des bons records. Ouais, je pense aussi. Bon fight entre Hugo, Dark et probablement Boisson Tite des Link. Sur même le papier. Si là, Dark est désavantagé. Oui, Dark est désavantagé, je suis d'accord. Sur le papier, Anti-Hawk et Astronaut sont un peu moins bons. Après. Et entre la régu, entre le stress, parce que c'est pour se qualifier au quart, rien n'est joué. Et on voit Astronaute hein, qui tape un local 97, c'est moins bien que les autres quand même. Même moi, j'ai local 129, c'est étonnant qu'il tape si peu, mais après, rien n'est fait, hein. De toute façon, il suffit... Ça c'est une map très rapide et très technique, il suffit d'une moindre erreur pour se faire éjecter, quoi, clairement.
Donc on va voir ça. C'est parti en tout cas pour cette première run sur France eSport, la descendante de l'eSport. Est-ce qu'ils font le wallbang? Ouais, ils font tous le wallbang ici. Et Dark qui a touché le mur. On va se mettre sur la vue de Boss Wanted. Qui fait mieux le wall que Hugo. Ah non. Ah, il a pris la vitesse en allant plus haut. Ouais. Ouais, Boss Wanted qui passe pas mal. Oh, anti-hook qui fait un peu un comeback. Oh, Boss Wanted qui saute très mal, il va pas pouvoir passer. Il a du retry. Et du coup, Hugo qui se retrouve tout seul devant. Ah non. Non, non, pas tout seul. My bad. Il se retrouve avec Astronaute parce que les autres ont tapé ou le CP ou le mur, on les a vus. Et donc Astronaute qui part tout seul devant, on se met sur la vue d'Hugo puisqu'il est deuxième. On a vu qu'il y avait Boss Wanted pas loin derrière. Non, c'est Dark qui est pas loin derrière. Oh, Hugo, Hugo. Oh, what the fuck. Ouais, j'ai pas pigé. Mais même ma bouche a bugué, ça s'est entendu, je pense. J'étais là. Hugo a pris un bug, what the fuck. Ouais. Comme s'il était arrivé de face contre le mur alors qu'il est arrivé de côté. Hein. Ouais, et du coup il risque, mais voilà, ça ne va pas fonctionner. À moins que les deux autres fassent une erreur, ce qui n'est... Oh, peut-être. Oh, oh oui. Oh. Oh. Oh yes. Un millième. GG. GG Hugo. Hugo qui se qualifie en quart pour un putain de millième. What the fuck. Screen please. Bah si vous voulez, y a pas de souci. Merde, j'ai pris la mauvaise touche. What the fuck. It's screened. Mais OMG. I also have it on the live. It's on my Twitter. Oh putain la vache. C'était super sick. Ouais. Je vais aller mettre ça. Bon atterrissage. Je vais aller mettre ça tout de suite sur Twitter. Oh putain, incroyable. Donc oulala, je te laisse commenter, je suis sur la vue de Dark. Ok, ok. Dark est bien là, qui est en tête avec Astronaute. Coéquipier de la même équipe. Oula, Dark qui part loin. Oula. A mon avis, Dark là, il vient de rater là, il pourra pas se qualifier avec ça. On est en quatrième. Donc en tête, il y a Boss. Après, il y a Astronaute et après, il y a Xaway. Ouais, ça va être compliqué de revenir. Boss qui est vraiment loin devant là. Oh là, c'était une finale vraiment. Putain, je suis en train de transpirer quoi. Je te jure, c'est vrai. Dark il fait de la merde. Dark il fait de la merde. On va se mettre sur la vue d'XAY. Ah bah, il fait deuxième. Très bien pour XAY. On en est où là du coup? Il y a Dark qui est toujours là. Boss Wanted qui va sûrement. Ouais, Boss Wanted qui passe finaliste. Merde. Ok, ok. Link est assez bon sur cette map. Il a une autre technique, mais il est assez bon. Je crois qu'au premier tour, il prend la deuxième route et après, il prend la troisième. Ouais, ouais, ouais. Link est le capitaine de l'équipe de France à la Stadium Nation Cup aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est lui le capitaine de l'équipe de France. Ouais, oh, c'est lui. On en a vu un qui a volé là. Boss qui joue pour l'équipe d'Earth France. Je sais pas qui, mais il y en a un qui a volé. Hein. C'est anti-Hawk. Et Hugo qui est toujours affiché à droite. Tiens, c'est marrant ça. Oh, Boss qui ne passe pas, il a pris la barrière, la bordure. Ouais, la vitesse que ça lui donne, Link. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, il a masse vitesse. Putain, j'en reviens pas pour Hugo, comment c'était chaud. Je suis en train de transpirer quoi. Dark qui a moyen de gagner là s'il revient sur Link. Salut Comeback Storm, merci. Merci du follow. Alors Dark ouais qui va peut-être. Oh là. Oui peut-être. Peut-être pour Dark, attention. Non. Ah non. Dommage. Boss décès. Un boss qui aurait des CS qui paraît. Ah non, il est là, il est là. Tout va bien. Est-ce
Est-ce que ça revient derrière? Non, ligne 80 points, c'est assez loin toujours. Ouais. Pour l'instant, ça a l'air d'être le dernier run. Et il bosse et Dark. Ah, Dark a touché. Pour l'instant, ça tri-boss. Boss qui passe en tête au premier tour. Merci du follow pour Gridino. Dark, take my energy. Boss qui a déjà une demi-seconde d'avance là sur Anti. On a des supporters de Dark. Alors du coup je vais suivre Anti. Dark est vraiment bien là. S'il choque pas à la fin, il est qualifié. Ouais. Oh, Anti qui est parti en couille. Boss Wanted, ça devrait être bon. Et c'est fait. C'est bon pour Boss Wanted, il est qualifié pour le quart de finale. Allez, dernier finaliste, Dark, le pauvre. Ça fait déjà un certain temps maintenant qu'il est en finaliste et il arrive pas à finir premier. Je pense qu'il choque. Donnez-lui votre énergie. Ouais, go. Par contre, je suis sur la vue de Antioch, c'est bizarre. Ah, c'est bon, j'ai mis Dark du coup. En plus, là, après cette map, ils reviennent sur Zedertel, non, je crois. C'est fort probable. Ce qui embêterait un peu Dark, à mon avis. Oui, en effet, parce qu'il avait pas du tout aimé la carte, hein, on l'avait vu. Dark qui prend très bien là pour l'instant au premier tour. Pourquoi il y a écrit que Boss est devant? What? Dans les CP en bas il y a écrit que Boss est devant. Ah exact. C'est ok. Salut. Ouais. Salut. Y'a Arta qui passe. Mais oui c'est fou. Mec je sais pas si t'as vu mais sur le stream. Et Vulné, toi t'es passé ou pas Vulné? Ah non j'étais dans le pire groupe. Là on sait bien. Putain. Vulné, est-ce que tu aurais pas vu un certain X6 rouler quelquefois? Peut-être bien. Il a pas streamé? Non, en fait, X6 il m'a dit de faire son compte, j'avais pas trahi les maps et je me suis fait éliminer Dark, au 32. Dark qui finit premier, 19. Dark qui se finit. Okay. Donc il se qualifie lui aussi pour les quarts de finale. Alors dans ce groupe, on a donc Bren. Je retourne Hugo. Sur le Discord. Pas de soucis, Bren, Hugo, Boss Wanted et Dark qui se sont qualifiés. C'est fou. GG à eux. C'est fou. Gros GG. Gros GG. Ah, c'était très serré pour les trois là, Hugo, Boss et Dark. Ouais, c'était fou. Dark aurait eu beaucoup de mal à se qualifier quand même. Ouais, on va certainement pouvoir switcher directement sur l'écart. Pas sur l'écart, sur le Chrome, pardon. Ok. Bon, du coup, moi je vais vous laisser là. Pas de soucis. Je vais suivre un peu la cup aussi. Maintenant que je suis out. Bah écoutez, moi je vais bientôt arrêter le live, j'attends un peu de voir. Ok, d'accord. J'attends de voir un peu. Alors, je vais te mettre donc, les noms de la poule où j'étais. Quart numéro 1, Carl Junior, Hugo, Kappa, et on n'a pas le troisième. Ça doit pas être fini sur les autres serveurs probablement. Putain, Kappa il est passé. Carl Junior, et oui, Kappa est passé. Il est donc contre Carl. C'est impressionnant que Kappa soit passé parce que tout à l'heure il était avant-dernier, je crois. Ouais. Merde. Ouais, il a dû faire un très bon comeback. Bah, je pense aussi, ouais, parce que j'avais vu aussi. Et apparemment, Artanir est passé aussi. Impressionnant. Ah bah là on a deux joueurs lazy, même si Artanir a enlevé le truc, le tag d'ailleurs, ce que je ne comprends pas trop. Mais anyway, gros GG à vous. Franchement c'était ouf à regarder les gars. Bah je vais remercier tous les viewers, parce que franchement c'était ouf. Là on est encore 46, et si je regarde les stats, on a dû avoir
un pic à 49 spectateurs, c'est ça, il y a 5 minutes. Non, à 5h35, pardon. À 5h35, on a eu, eh bien, 49 spectateurs, et c'est mon record. Donc merci, merci beaucoup les gars. Et bah, franchement, gros GG. T'as streamé là pendant combien de temps? Et bah... Là, ça va faire... Ça va faire 6 heures, là. Ah, déjà. Ça va faire 6 heures de stream. Putain, j'écris mal. Mais du coup, ouais. Bah voilà. C'était ouf. Donc voilà, vous le voyez ici. Premier match à 19h15. Deuxième match à 20h15. Troisième match à 21h15. Et quatrième match à 22h15. Et ça ferait donc une soirée. Ouais, voilà. Ça terminera sur 23h, 23h15. Donc voilà. Soyez là à 19h sur le live de Zera. Je vais host son live. Si ça se trouve, il est déjà lancé. Je sais pas du tout. Ah non, Kappa il est pas passé, ouais. Bah pourtant il y a son logo. Son nom. T'es sûr de pas regarder au bon endroit là? Bah regarde sur le live. Attends. Ertanir il va être contre Bren, Striker et Lulu. Ouais je vois. Ah ouais ok d'accord. Ouais je viens de voir. Ça vient juste d'apparaître moi. Trop sick. Vraiment là c'est fou. C'est fou. Encore 40 viewers en plus, putain mais c'est fou. Il y a deux fois Aurel dans le serveur 1 là, le troisième groupe. Ah oui exact. Mais c'est ah bon, non en fait c'est. C'est bon c'est débugué. C'est leur pseudo. C'est débugué. D'accord. Non c'est les Regarde, en fait, ils ont mis les pseudos. Enfin ils ont mis les. Ouais c'est ça, les pseudos et en dessous ils ont mis leur nickname. Où ça? Quand tu regardes sur le tableau, il y a écrit genre Lil Carl, Carl Junior, Hugo 220, Hugo. Ah j'ai pas vu. À droite peut-être. Attends, on doit pas regarder au même endroit en fait. Ah oui c'est ça, on regarde pas au même endroit. Ok. Ah. Ah oui vous le voyez ici, vous le voyez ici. Et ils ont enlevé le nom de team, bah c'est bien, c'est une bonne idée ça. Et bah écoutez, voilà. Sur ce, et bah je vais arrêter mon live parce que y a plus rien à streamer. Et puis, bah merci beaucoup, on va se quitter sur ce tableau, et non, voilà, sur cette cam, c'est quand même un peu plus beau. Merci Vulné d'avoir commenté cette fin avec moi, c'était sick. Merci à toi. Et bah pas de problème, merci aussi à Étendu qui est passé, qui regardera sûrement l'Ardif. Et merci à vous, les viewers, parce que voilà, on a fait un pic à 49 viewers, là vous êtes encore 40, c'est fou. Et ça fait encore chaud au cœur, de ouf. Et sur ce, bah voilà, merci pour cet après-midi, n'hésitez pas à regarder le live de Zera. Et sur ce, eh ben je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao, bye bye.